Europe 1, 6h37, bientôt un lycée Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Eh oui, presque 4 ans après l'assassinat du professeur, le collège où il enseignait dans les Yvelines est en passe d'être renommé. Proposition validée hier soir durant le conseil d'administration de l'établissement. 2 votes, celui de la commune et du département, sont encore nécessaires pour entériner cette décision. Pour Paul Marion, enseignant et président de l'association Les Amis de Samuel Paty, il était temps. C'est une chose qui est forte, ça montre que la ville de Conflans assume sa mémoire, son héritage, le défend, en est fier. Et on n'a pas toujours eu ce sentiment que la ville assumait ce qui s'était passé, puisque ça a pris énormément de temps, plus de 4 ans, avant que ce changement de nom du collège soit effectué. C'est pas encore acté, mais bon, c'est un très grand pas en vue de changer le nom du collège. Le collège, c'est vraiment le lieu de la transmission, donc quand un professeur meurt dans ces circonstances, ça me paraît tout à fait logique qu'on change le nom du collège. Paul Marion au micro Europe 1 de Youen Madec.